Eh bien Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Yvon, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Je suis accompagné de trois magnifiques personnes. Je suis accompagné de Miley. Comment ça va, Miley? En forme pour vous écraser, là, hein. Oh, wow. Miley, monte-le. Pas avec la cape, voilà. Pas bien de suite. On est aussi avec Lonnie, voilà, j'ai même pas besoin de le présenter. Vous me connaissez, c'est la base. Et on est justement aussi avec Charles. Comment ça va, Charles? Non, je veux pas... Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo. Ça va être un 2v2 et nous allons tester notre amitié. On a le groupe de Miley et de Lonnie et Charles et Hugo. Chacune des équipes a un nom. Comme vous savez, très souvent les gens shippent les autres. Lolé et nous, Hugo, moi je voulais un autre prénom. On a chacun un cri d'équipe, nous ça sera quoi? Internet! Net! Et vous? Lolé! On a tous des manières de s'appeler les uns et les autres. Vous, c'est ma vie. Bah ouais, parce qu'on se connaît depuis toujours. C'est le sang. Non, vous ouais. Connaissez. Ça fait 2 ans. Et nous, ça fait 4 ans. Le concept va être très simple. On va avoir à peu près une dizaine d'épreuves. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, ça va monter crescendo au fur et à mesure du temps. Chaque épreuve permettra de gagner à chacune des équipes des points. Les deux participants de l'équipe perdante devront chacun réaliser une vidéo chacun sur leur chaîne qui devra durer au minimum 10 minutes. Et pendant 10 minutes, ils doivent expliquer pourquoi est-ce que leurs abonnés doivent s'abonner à la chaîne de l'équipe gagnante. M'en fous, je vais faire du putaclic, un gros clickbait. Je déteste du composé. Ce sera pas à nous de compter les points, ce sera la main magique qui va compter les points. Et donc on découvrira qui sera l'équipe gagnante à la fin de la vidéo. On va commencer maintenant à vos cris de guerre. C'est la guerre. C'est parti. They gonna hate me regardless. That's why I do what I do. See me in person, I'm flawless. I might just snatch up your dude. Sugar all over the chat. Bitch, I made it on the map. Niggas hating, that's just sad. In the race and bitch, you last. Un mal au dos pour fêter ça. Nous allons commencer avec la première épreuve. Ça va être une épreuve physique. Vous allez devoir faire l'épreuve la plus classique de confiance. Tomber en arrière dans les bras de l'autre. Miley, ça va être à toi de tomber en arrière pour que l'unité te rattrape. Et c'est moi qui vais tomber et tu vas devoir me rattraper. Si tous les deux on se fait rattraper smooth, chacun un point. T'inquiète, je te rattrape. 3, 2, 1, go. Oui. En fait, je sais pas ce que je fais parce que moi, si je te laisse tomber, ça fait grave début. 3, 2, 1. Il s'est brisé le talon d'Achille, chacal. Que ce n'est des manches comme une coupe. Pour cette nouvelle épreuve, ça va être assez simple. Vous allez devoir deviner quel choix entre un choix A et un choix B votre pote choisirait. On va commencer Lonnie et moi. Est-ce qu'on est plus pizza ou burger? On va donner notre réponse à la caméra. Maïe, on te laisse répondre. Big Mac ou pas Big Mac? Ah ben oui, chacun. Charles? Margarita ou pas Margarita? Ah. Lonnie et moi l'ont deviné pour Maïe et Charles. Est-ce que vous êtes plus sauce moutarde ou sauce barbecue? Eh, parce qu'on a l'arbitrage vidéo, les frérots. Ça va aller très très vite. Ok, j'ai triché. Ok, j'ai triché. Ils ont enlevé notre question, ils viennent de perdre un point, on passe à la prochaine épreuve. Pour cette troisième épreuve, ça va être relativement simple. On va faire un des challenges les moins originaux de YouTube. Qui de nous trois? C'est le qui de nous deux. Vous allez vous mettre de dos à dos. Je vais vous poser une question et vous allez devoir pointer vers vous ou vers l'autre. Selon vous, qui correspond le plus à cette question? Si vous avez la même réponse, vous gagnez un point. Perfect. Qui est le plus tête en l'air? Go. Yes! Ça nous fait un point. Perfect. Qui a le plus de chances d'être en retard pour un premier rendez-vous? Go. Yes! La première fois qu'on s'est rencontrés, on partait pour faire un vol aux États-Unis. Le mec arrive 20 minutes en retard. Mais parce que ma maman, elle était dans les bouchons. J'avais 15 ans! Qui aurait le plus de chances de vomir dans une attraction? Go! Non, frérot! Mais mec, j'ai jamais vomi. Mais mec, moi, je suis le gars qui kiffe le plus les attractions, frérot! Tu es qui? Qui danse le mieux? Go! Je la passe la tête, la pécou, la viscère, tes regrets, ton bébé! Qui dort le plus entre Charles et Hugo? 3, 2, 1, go! Pas en ce moment, mais je veux dire du bas. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Qui fait le plus de shopping? Go. Qui est le plus tête en l'air entre vous deux? Go. Qui aurait le plus de retard à un premier rendez-vous? Qui a le plus de chance de vomir dans une attraction? Go. Bien aimé. Qui entre vous deux danse le mieux? Go. Qui entre vous deux dort le plus? Go. Ah. Encore. Et entre vous deux, le plus de shopping. Ouais. Ça fait beaucoup là, non? Donc ça leur fait combien? 4.
Nouvelle épreuve. Cette fois-ci, Loni et moi sommes venus avec 3 vêtements. Parmi ces 3 vêtements, il y en a 2 qui nous appartiennent et 1 qui ne nous appartient pas. Miley, tu vas devoir deviner lesquels appartiennent à Loni et Charles, de même pour moi. Si vous réussissez, votre équipe gagne un point. Perfect. Donc voici les 3 vêtements. C'est pas élégant. Loni, je te laisse pointer du doigt lequel n'est pas le tien. Miley, tu auras 3 secondes pour pointer du doigt lequel des 3 vêtements n'est pas à Loni. Go. 1, 2, 3. Ça, c'est pas à Loni. Oh putain. Donc là, on a mes 3 vêtements. Aïe, c'est encore pire. C'est ce vêtement qui n'est pas à moi. Charles, quand je vais te dire go, t'as 3 secondes. Go. 1, 2, 3. Lequel n'est pas à moi? Ah. Yes. Inter. Mais on va pas faire devant du tout à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant faire quelque chose qui montre vraiment si t'es pote avec la personne. Vous allez devoir deviner quel est le menu McDo que prendrait votre coéquipier. Loni et moi allons dire à la main magique quel serait le menu que l'on prendrait. Et si nos potes arrivent à dire le bon menu, notre équipe gagnera un point. Perfect. Ça va être à nous de commencer. Voici mon menu qui apparaît ici. Un menu McChicken avec en boisson un Coca Zero, petite sauce moutarde et bien évidemment des frites. Je rajoute une petite boîte de 4 nuggets. Et c'est quoi la sauce et sauce moutarde, d'accord. On va faire la même pour Loni et c'est Miley qui va dire et après on décidera qui a gagné ce point-là. Un menu Big Mac avec frites, coca. Je pense que là c'est assez évident. C'est Inter et Ned qui gagnent ce point-là. Yes, Inter Ned. Dès qu'ils sont ensemble. Allez, bon, mange-toi. C'est mal au dos. Pas toute leur vie là-bas. Nous on varie, on est des gens qui mangent autre chose. Mais oui. La semaine dernière, vous êtes partis où, mais après, allez manger. Où on avait la dalle, c'était pour les trucs. Mais comment j'appelle le tournage? Cette nouvelle épreuve, elle va être un peu comme l'épreuve de devinette par rapport aux habits. Sauf que cette fois-ci, c'est Charles et Miley qui ont amené 3 objets. Et Loni et moi allons deviner quel serait l'objet préféré de son pote dans une situation X. Miley, dans quelle situation est-ce que tes 3 objets pourraient être utilisés? Le matin quand je me prépare. Toi? Le matin quand je vais à la salle de sport. C'est trop précis ce que tu racontes. J'ai un scoop pour vous. Moi je vais pas à la salle avec lui là pour l'instant. Hein. Ça fait un an qu'il vient demain. Miley, montre-nous l'objet que tu utiliserais le plus. D'accord. 3, 2, 1, go. C'est trop facile, wesh, chacun. Ouais. J'ai mis sans musique, toi. Tu fais rien. Tout ce que tu veux. Quand vous allez voir mes objets, Nico, il va jamais s'en sortir. Ouais, donc, ici, il y en a un que j'utilise absolument tout le temps. Perfect. Wesh, ok, je prends ça. Oui. Nouvelle épreuve, cette fois-ci, ça va être à Miley et Charles. Vous allez donner à la main magique 3 marques que vous aimez bien. Et parmi ces 3 marques, il y en a une qui sort du lot. Et normalement, votre pote le sait. Perfect. Miley, tu donnes 3 marques, go. Adidas, Nike, Puma. Nike. Ça vous fait un point, bravo. Perfect. Charles, vas-y, 3 marques. Microsoft, Sony, Apple. Apple. Inter. Nike. J'ai ici un smoothie qui a été acheté. Et ici, le petit smoothie que je viens de préparer. Et franchement... Perfect. Nouvelle épreuve, double épreuve. Tu vas cracher le pognon, espèce de poche tronquetée. Dans ces 2 épreuves, ça va être à Miley et à moi de deviner quelque chose. Je vais devoir deviner quel a été fait par Charles, lequel elle vient de livrer. Et de l'autre côté, Miley, tu vas devoir deviner parmi 3 couleurs que Loni va te dire, quelle est la couleur la moins préférée de Loni. Je t'invite à donner les couleurs. Marron, vert, jaune. Maintenant, je goûte. Il a gagné Top Chef, normalement c'est bon. Putain, j'aimerais vraiment qu'il y en ait un que ça soit celui de Charles. Parce que je sais qu'il est bon. Go avec ses bouches chimiques aussi. Justement, McDo ce soir, moi je pense que parmi ces 2 smoothies, celui de Charles, c'est celui-là. Pourquoi? En fait, c'est juste le visuel. Au terme de goût, j'aimerais bien que ça soit celui-là parce que pour moi, le meilleur c'est celui-là. Donc tu penses que le moins bon. Non, pas ça, mais ça fait homemade. Je suis habitué, habitué. Eh bien, tu t'es trompé! Fuck! Putain, le meilleur c'était le mien. Mais oui, c'était le tien le meilleur, maintenant je le sais. C'est honteux. Tiens, mon livre, comme ça, tu vas pouvoir cuisiner. Elsie et gourmand, c'est mon dernier livre. Allez acheter le livre de Charles, disponible Fnac, Amazon, dans toutes les librairies. Envoyez-lui le livre sur Instagram ou sur Twitter, il likera votre post, il vous fera une dédicace. Et je vous dis que le lien du livre est aussi en bas en description. Perfect. Miley, c'est laquelle la couleur la moins préférée de Loni? Loni déteste le marron. Eh oui, ma fille. Ça, c'est compliqué. Que dire? Ça va être une épreuve de proximité. On va voir si, à quel point est-ce que vous êtes proches. On va devoir chacun répondre aux mêmes questions. Est-ce que quand vous partagez une boisson dans une bouteille, vous buvez en wifi ou pas? Donc là je vais vous faire 3 dans le go, vous allez regarder la caméra, vous allez répondre. Et après ça sera au tour de Charles. Go. Microbe.
Mais non, c'est ta main, frère. Oh là là, je crois que je devais tous répondre. Non mais c'est pas possible ça. Toc toc dans ta tête quoi. T'aurais répondu quoi? Elle seule. La même chose. Ouais, avec ça, avec ça, ça me dérange. Bon, allez ça, on répond à la question. Microbe. Yes, inter. Net. C'est sans wifi là. Est-ce que vous seriez capable de dormir avec l'autre? Go. Lit. Ah d'accord. Ah, mais un... tu m'avais pas dit que tu voulais dormir avec moi. Non, mais pas ça. Petit coquin. Pas votre tour, go. Lit. Ah, ah. Déjà, ta mère. Toi, t'es pas dans ça. Reste là-bas. Par respect pour elle, je la laisse dormir. Elle s'en va les. Et c'est les amours. Les cons. Est-ce que vous partagez votre fourchette lorsque vous voulez partager un truc que vous goûtez à l'autre? Go. Microbe. Bah, c'est... T'es en train de faire ton amitié avec moi. Oh. J'ai pas envie de faire une vidéo promotion de notre chaîne. Go. Fourchette. Yes. Heureusement que tu puis de la gueule et que t'es un gars sale. J'ai jamais eu un ami comme ça. Denker, il a frère. Est-ce que vous mettez le lait avant ou après les sages? Après. Ah ouais. Tu sais où on en a parlé? Quand on a fait la vidéo bonne chose au mauvais endroit, quand on a pris un petit déj dans une fontaine, Hugo m'a dit hey, t'es sérieux, tu es le lait. Comme ça que je parle. Oh, t'es sérieux. Dans Hugo dans Tita. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hugo je suppose. Go. Après. Yes, yes. Le lait avant les céréales. Mais, mais c'est quoi ça? Bah à parler de musique, les sujets vont être Loni et moi. On va aller choisir une paire de musiques. Parmi ces deux musiques là, il y en a une qui nous correspond beaucoup plus. Miley et Charles vont devoir deviner ensuite quelle est la musique qu'ils pourraient préférer. Loni va faire écouter deux musiques. Je multiplie les types, je n'appelle pas chez qu'il vient. On m'appelle V.A.L.D. Et ensuite la deuxième. L'amour à l'esperme, j'ai repensé ses lèvres. À son haleine, je savais qu'elle était. Et c'est pas facile hein. Et t'es pas sympa quand même hein. Miley. Bah ton sosie mon ref. Hashtag Michel Chingolin. What the fuck. Allez mais toi je t'ai dit on conspire. Amitié gâchée c'est ça. Additionner les échecs, multiplier. Attends, les billets. Jean-Jacques ça aide ça non? Tu sais c'est doux quoi. C'est les deux Jean-Jacques mais. Tu m'avais pas dit que t'étais un bon consommateur de rap hein. Je consomme par Par Hugo. Par un coup du monde. Ok. Ça te dérange pas sinon tu me l'aurais dit. Mais c'est quoi? Eh non moi c'est Codes. On n'a pas flanché. Pas la deuxième, la première. C'est exactement ça. Inter Net. J'étais persuadé que t'allais me mettre celle-là. Ouais, mais ouais, parce que celle-là, il l'écoute un petit peu là, ces derniers temps. Du SoundCloud. Mais l'autre, là. Arrête de faire genre t'en as marre. Vous savez quoi, je vais vous mettre un extrait de Charles qui turn up quand il écoute ma musique. Parce que là, il fait genre, il le subit. Mais la tête en l'air que tu le subis, va. Passe en micro. Hey. Et là il va faire. Nous allons faire une épreuve qui va être sportive pour Miley et pour moi. Chacun de nos coéquipiers vont devoir deviner quel est le nombre maximum d'habits que l'on peut se mettre sur nous-mêmes. Et vous deux, vous allez devoir deviner quel est le nombre approximatif. Ça va être le juste prix. Voilà exactement. Celui qui sera le plus proche, eh bien on va gagner la manche et on va gagner le point. Miley et moi allons avoir 1 minute 30 pour mettre ses vêtements. Tu penses que Miley elle met combien de fringues? Allez, je vais dire 15. Charles, en 1 minute 30 du coup il garde de mettre combien de vêtements? Je sais que le matin t'es très très long. 14. Ça va être au tour de Miley. Miley, tu es prête? Tu as 1 minute 30. Je suis en train de décoiffer mes sourcils, je le vis hyper. Ouais. Un plus bien de Zotcha. Attention, attention. Ouais. 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 Celui-là, on l'enlève. Un petit tour sur toi-même. Viens, fais pas avant toi. Regarde. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 4. Attention, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça fait 13 vêtements mis par Miley en 1 minute 30. Go! C'est chaud la tête maintenant, c'est chaud. Il débrouille bien, arrêtez, vous avez traîné, je me foire. Ah, ah, salut, moi c'est Sylvain, coiffeur expérimenté. Ça compte les couches? Est-ce que vous avez vraiment besoin de compter? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Mélangez dans la sauce Hugo Posé. C'est dans le lit. On va passer à la toute dernière épreuve. On va chacun avoir deux questions à répondre et votre coéquipier devra estimer la réponse que vous allez donner. On va commencer avec toi, Miley. Est-ce que tu préférerais être une baleine ou un moustique? Tu vas donner la réponse à la caméra, ça, ok. Miley préférerait être un moustique ou une baleine? Un moustique. Aïe, 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 aïe.
Loni, qu'est-ce que tu préférerais entre avoir une super belle voiture qui tombe en panne une fois par mois et avoir une vieille voiture pourrie qui fonctionne super bien? Ok, Maëlle, à toi de nous dire. Nous sommes des gens pratiques, pourris mais qui fonctionnent. Aïe aïe aïe, 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 aïe. C'est matérialiste. Monnaie, monnaie, monnaie. On va s'arrêter là mon discours. Je préfère avoir un super PC mais ne pas savoir t'en servir. Ou être un pro de l'informatique mais ton PC il plante 3 fois par jour. Charles. Pro de l'informatique. Yes. Eh, quand le PC yes bat, Hugo la bidouille. Exactement, Hugo la dead. Entre avoir des dents jaunes, avoir une langue de serpent. Ah putain, c'est chaud là. Vraiment moi c'est pas un truc C'est chaud, je dis les dents jaunes. Quoi? Serpenta. On fait la dernière manche de ce jeu. Les points vont compter double. Charles, voilà ta question. Est-ce que tu préfères les cheveux longs chez les garçons ou les cheveux courts chez les filles? Pour la question, elle est débile. Oui, elle est débile. Moi, je pense, honnêtement, tu préfères une fille qui a les cheveux courts. Non, vraiment, je préfère vous laisser. Mais vraiment, t'as déjà eu des meufs qui a les cheveux courts? Bah oui, mais... Bah voilà. Mais moi, j'ai déjà eu des cheveux longs. Loni, est-ce que quand tu joues au morpion, tu vas plus jouer les croix ou jouer les ronds? Ok. Tu préfères... Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de compter. Allez. Les grands gagnants sont... Volés. Yeah. Retrouvez bientôt des nouvelles vidéos sur la chaîne Hugo. Et sur la chaîne de Charles aussi. Hein. Nous, on va aller pleurer avec Charles, personne. Ouais, on va pleurer chacun. J'ai des mouchoirs, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, on est officiellement plus potes, c'est la vidéo qui l'a définie. Là je rigole. 1490€. Mec, t'as craqué. Mec, t'as craqué, mec. Pendant ce temps-là, Maëlle et Loni sont toujours en train de faire la. Bon, et eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mais ne partez pas maintenant, ça n'est pas fini. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, une revanche, ou peut-être tester avec d'autres duos, vous invite aussi à commenter dans les commentaires de cette vidéo, les duos que vous voudriez voir, likez les commentaires que vous trouvez les plus pertinents. Je vais vous inviter maintenant à aller vous abonner à toutes les chaînes de tous les participants, et je vous invite à aller regarder la chaîne de Charles, yes, et ma chaîne, 24 heures après la sortie de cette vidéo, il y aura une vidéo sur la chaîne de Charles et une vidéo sur la mienne, où on fait la promo pendant 10 minutes de chaque de leur chaîne. Ils sont contents, hein. Va falloir que je commence à regarder vos vidéos. BAM! Bon, bah pendant qu'ils se cassent, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous, en parlant à vos potes, en la partageant sur vos réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On demeure quand même des frérots. Je te fais un câlin. Oh. On se retrouve vendredi prochain à 18h03. Ah. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et bye bye! Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like this about as good as it gets. Do it like this.